Abonnez TAC 509. Comment nous y est? C'est un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour nous porter pour nous 4e épisode d'un petit coup de chez sur HML. Pour parler d'une formation musicale qui gagne 30 ans sous scène musicale haïtienne. Qui donc gagne pile information pour nous partager avec vous, gagne pile anecdote pour nous partager avec vous sur formation musicale ça. Formation musicale ça relé Zinglin. Depuis elle commence jusqu'à aujourd'hui, il va jamais changer non. C'est peut-être seul élément de stabilité soulevé qui gagne une formation musicale ça. Mais détrompez-vous, c'est pas seul élément de stabilité que formation musicale ça gagne. Qualité production de 1990 à aujourd'hui à tout, rété un point de stabilité formation musicale ça. Avec qui t'aime dire que Zinglin gagne 12 albums studio dans le répertoire li. 12 albums que Livé produit en 30 ans d'existence. Ça veut dire, soit pour un calcul rapide, ou prendre compte que son formation musicale qui produit en moyenne un album pour Pipiti chaque 3 ans. Ça veut dire son formation qui montre assez prolifique. De nous considérer ensemble de difficultés, ensemble de instabilités qui caractérisent formation musicale. Ça n'a pas parlé de lui. Et qui t'en aller à la genèse de l'initiative, là, à la genèse de projet Zinglin. Pour nous dire que gagner 3 amis, 3 compères, 3 frères qui étaient derrière projet ça en 1989, l'elle t'a pris naissance. On a parlé de Patrick Martino, premier maestro et cofondateur de formation musicale ça. On a parlé de Jean Brutus Derissin, on a parlé de Gary Didier Pérez. Trois messieurs ça yo, yo lance une expérience pour faire musique ensemble, jouer musique ensemble et ont même sorti en première musique ensemble à l'époque. Et votre coup de décider pour formation musicale. Musique, ça a été les coulettes. C'était en 1989. Eh bien, l'homme se est rentré dans l'été 1989. Il a estimé que dans pile bagaille qu'il a fait ensemble. Il a décidé de regrouper tête ensemble. Il a décidé de jazz là. Poté non Zinglin. Et non jazz là, il a charrié toute une histoire derrière. Bouteille bien écrasée, il a gardé bouteille bien ou à terre. Il a Zinglin bouteille et a décidé que c'est comme ça pour le groupe là. À l'avenir, un peu de monde va rendre compte que. Groupe ça, pas qu'il y ait plus de monde que ça. Donc son groupe qui fait tout craser, pas bien craser encore. C'est Zinglin quand même. En 1990, il y a eu le premier projet studio qui va le baptiser Anoualaise. Anoualaise connaît un succès retentissant avec la voix de Gary Didier Pérez, avec la participation de Jean Brutus Derissin qui toujours, depuis Zinglin existait, mais en musique que le met voile sous lit sous projet Zinglin. Eh bien, en 1990, n'est-ce pas le premier projet qui était baptisé Anoualaise, un projet qui était gagné des hits sous lit, qui avec le temps vint carrément des classiques, donc en musique tant que fidèle, qui vint en classique jodia, dans le répertoire musique haïtienne et dans le répertoire formation musicale Zinglin. Eh bien, 2 ans après, formation musicale ça a perdu un élément, Gary Didier Pérez, et on a sorti deuxième album, donc nous en 1992, album ça, que majeure partie dans musique qui souligne son l'autre chanteur qui vient chanter qui était David Charles. Album nan te relé à Tonales. 3 ans après, en 1995, après Zinglin fin décidé quitter pays dans des conditions extrêmement difficiles, Patrick Martino rete en Haïti, l'autre monsieur yo décidé clandestinement voyager et quitter Patrick Martino ici en Haïti, yo parti, il a formé Zinglin aux États-Unis d'Amérique. Et à partir de ce moment, les gens connaissent un moment assez difficile jusqu'à ce qu'ils sortent un troisième album. Un troisième album qui, dans le répertoire Zinglin, était un album qui connaît moins succès, album qui baptisé Ou Toujours Là, là, nous en 1995. Eh bien, il y a un pile rencontre qui pourrait le faire pendant tant ça. Côté Zinglin, il va rencontrer de l'autre musicien, de l'autre chanteur qui, dans un premier temps, te kon souvle gig à jazz là, particulièrement des musiciens comme Jean-Hérard Richard Ritchie qui à plusieurs reprises te gig à jazz là lorsque jazz a eu un problème batteur jusqu'à ce qu'elle fait partie de jazz là plus tard. Et avec nouveau chanteur yo, Gracia Delva, lorsque jazz là a installé le Miami, eh bien, li pral sorti 4e projet studio, li 4e album ni qui était baptisé Online. Un album qui t'a permettre que moun yo commence à découvrir une nouvelle facette en formation musicale ça avec un nouveau chanteur, mais toujours est-il que Zinglin ça li te gagné Brutus qui toujours au moins chante un grain de musique sous lui. Si nous permettre moi m'a font petit retour sur album avant album Online, album Ou Toujours Là. C'est un album j'aime te dire qui
fait moins succès que Zinglin réalisé. Mais son album tout qui gagne plus visage qui chantait sous lui. D'ailleurs, nous rendons compte que en pile fois elle a parlé de chanteur que formation musicale Zinglin en passé, il va même mentionner non musicien ça, non chanteur ça parce que c'est ton album qui vraiment était un album méconnu du grand public. Des chanteurs tant que Eliott Almidor, des chanteurs tant que Nestor Azéo, Gisèle Pierre comme chanteuse t'es participé sous projet ou toujours là et j'aime t'abdili son projet que qui pas trop bruit fait autour de lui, qui pas fait trop bruit lui-même tout jusqu'à ce qu'on te tombe dans le projet que t'as parlé tout à l'heure avec Gracia Delva et c'était premier album Gracia avec Zinglin, album online. Eh ben Zinglin pour aller retourner sous les joints vitesse de croisière. Vitesse que l'te gagné lorsque l'te démarré avec le premier album en 1990 avec Gary Didier Pérez, avec l'album Easy Compas qui sorti en 1999. L'album Easy Compas a cartonné. Jean-Hilaire Richard Vini, il ne touche pas sur l'album, il produit plusieurs musiques, il compose plusieurs musiques sous l'album ça. Un album qui connaît un succès fou ici en Haïti et un peu partout côté qui est communauté haïtienne qui a consommé compact, qui a consommé musique haïtienne. Un album qui t'a révélé un véritable répertoire de hits. Un album qui t'a gagné sous lui tempo, véritable hit dans le moment. Un album qui t'a gagné sous lui des musiques tant pour Easy Compact, titre éponyme album. Il t'a gagné des musiques tant pour 5 duets, tant pour BS Production, tant pour Flan FML, tant pour Sexy Love. Autant de titres qui t'ont gagné sous l'album ça, et vraiment qui t'ont connu un grand succès. Et à partir de ce moment, tout le monde est d'accord que Zinglin lui-même lui véritablement redécollé. Et puis, deux ans après l'album Easy Compas, en plus, le monde était sceptique quant à qui ça Zinglin a fait, qui a dépassé ça le fait avec Easy Compas. Et bien, c'était bien compté, mal calculé. Lorsque on est avec Jean-Yves Richard, ou avec Gracia Delva dans Diazou, ou avec Nickenson Prudhomme dans Diazou, ou avec Romney, Luxen Florestal, El Pozo dans Diazou, ou avec Jean Brutus Derisse dans Diazou, avec un peu de bagaille qu'on a fait. Et qui t'a pas sorti dans l'autre album, véritable repère de hit, encore une fois, en 2001, l'album Let It Groove, un superbe projet, un superbe album qui, pour un pile observateur, c'est un album que Zinglin réalisé qui gagne plus hit sous lui. Son album, par exemple, qui gagne des musiques pour titre éponyme album, Lady Groove, qui gagne 5 continents sous lui, en musique que jusqu'à aujourd'hui, que le Zinglin, que le Mascompa, que le Classe, qui c'est toutes des jazz qui te gagne un lien dans le passé, ou bien toutes les jazz qui te gagne un musicien qui gagne des liens avec Zinglin, décide d'interpréter aujourd'hui et intégrer dans le répertoire pour jouer en live. Donc, c'était vraiment un album qui te gagne en pile musique à succès sous lui. On a parlé de l'album qui te gagne Créole Nouye, qui te gagne Sa Bébé a dit, qui te gagne Our Love is Forever, qui te gagne Joel Pouès. Autant de superbes titres qui te retrouvé sur l'album ça qui te sorti en 2001. Et seulement yon l'année après, puisque Jazz la gen Richie la donne, une véritable machine à produire de hits, et bien un an après seulement, Jazz a sorti l'album Do It Right, avec l'album ça encore une fois, Zinglin pral cartonné, un album qui te gen titre éponyme album de Do It Right, superbe composition magistralement interprétée par Gracia Delva à l'époque, composition signée Jean Brutus Derisse, et te gen tout des musiques pour l'amour par contre diaspora, une belle musique love que génération compas a produit, il était gagné sous l'idée de musique tant pour sévérité, tant pour Yon Thibault, mais autant de superbes compositions qui t'ont retrouvé sous l'album ça, un album qui t'a gagné contrôle, entre autres comme hit, qui t'a retrouvé sous lui. Un album que Zinglin par même en jouit, ensemble de succès, ensemble de hits qui retrouvé sous lui avec chanteur, qui t'a quand même gagné chance de mettre voile sous lui, en a parlé de Gracia Delva, puisque je ne connais déjà. Gracia qui t'a pas confronté des problèmes administratifs, qui t'a pas rencontré des problèmes avec l'immigration américaine, qui t'a pas retourné dans le pays. Et à partir de ce moment, Zinglin t'a pas connu des difficultés justement pour te reprendre, t'appliquer pour te reprendre vitesse de croisière. Mais qui t'a rappelé nous, Zinglin fait tout craser comme jazz. Eh bien, monsieur Ovini, comme Jean-Boutus Derisse, véritable dénicheur de talent, monsieur décidé que la prêtre en Haïti. Et à partir de ce moment, un chanteur qui est habitué, ouais déjà, qui c'est Reginald Kangé, lui-même avec Richie, il a décidé qu'il a recruté Reginald Kangé pour aller faire partie de formation musicale Zinglin. Et le ça, il a recruté Reginald Kangé avec Jean-Edouard Jean-Baptiste, dit Frérot Jean-Baptiste. Tout de monsieur Sayo, t'es gagné un pile attente
qui pesait sous dos, tu as un gros défi pour lever. On jazz qui te gagne Gracia qui réalise l'album Easy Compa, l'album Let It Go, l'album Do It Right Avel. Et que Reginald Kanji avec Frérot Jean-Baptiste, deux jeunes chanteurs qui pourquoi faire gros bagaille dans le business là, et que Zenglen Rile pour venir remplacer Gracia Delva. Eh bien, c'était bien compté, mal calculé, sous talent, capacité d'un nec Jean-Boutus Derissin, d'un nec Tankou Jean-Hira Richard, il a réalisé un superbe album que deux messieurs ça ont mettre voix sous lui. Là, nous, en 2004, nous avons parlé de l'album 5 étoiles, un album qui gagne 5 étoiles sous lui, qui gagne 5 sens plus 1, qui gagne des musiques Tankou 18 ans, qui gagne FKD sous lui, qui gagne El Compa sous lui. Un superbe projet qui remettait Zenglen dans le niveau que le Tédoué a sous l'échiquier musical haïtien. Eh bien, M. Sayo seulement réalisé un grand album avec la formation musicale Zenglen. C'est vrai que vous avez participé sur projet personnel. On est dans le coup, Boutus a réalisé pendant le moment que vous êtes dans Zenglen, il y a un volume extra by Boutus. Vous avez participé sur premier projet personnel Jean-Yves Richard. Projet pour te souhaiter heureux 50e au combat direct en 2005, mais on va quitter Zenglen sans arriver à réaliser un deuxième album. Et là, gagné Kenny Demande comme chanteur qui quittait 509, qui rejoint une formation musicale Zenglen et qui va réaliser l'album 5e vitesse là avec formation musicale ça. Après le film qu'on a un succès retentissant avec la chanson baptisée Où fait faute, qui était rapidement sorti après Reginald Afrouti qui était déjà. Eh bien, 5e vitesse sorti. Jazz là qu'on est un succès assez évident avec 5e vitesse, un album qui te gagne Géré Sexy ou Souli, un album qui te gagne en pile composition qui quand même te connaît un succès assez intéressant ici en Haïti et tout côté haïtien à consommer compas, mais tout côté l'autre monde à consommer compas. Eh bien, Jazz là tout avec Kenny Demande et comme backup, t'as pral participer sous deuxième projet personnel Jean-Yves Richard, le projet Richie 10 ans plus tard qui sortit en 2009. Et après le projet ça, eh bien, Zenglen t'as pral tan pratiquement jusque dans l'année 2013. Mais entre temps, après sorti premier album solo Nickenson Prudhomme, Zenglen pral perdu Nickenson Prudhomme, donc il pral vin perdu Richie. En 2012, il pral perdu El Pozo, qui pral aller faire même route avec Richie. Donc à partir de ce moment, Zenglen avec Kenny Demande comme lead et qui était déjà en fait expérience avec plusieurs autres chanteurs entre autres. Faut nous rappeler que dans le moment Kenny était dans Zenglen, hein, Zenglen connaît par exemple le passage éclair dont est en coup de la Benz Chéri, Zenglen qui était en fait expérience avec on est en coup Hollywood qui pas gagné voile sous un Ken Music Zenglen. Contrairement à Da Benz qui quand même t'a gagné musique à Pitroini Zenglen hein, pour te souhaiter heureux 20e anniversaire à la formation musicale Zenglen que tu chantais en musique à Pitroini qui retrouvait sous album Richie 10 ans plus tard là puisque musique ça t'es supposé sous album que Zenglen a réalisé pour marquer les 20 ans d'existence du groupe, un album qui va jamais sortir finalement puisque ça t'a gagné seulement un an que groupe là t'es déjà sorti 5e vitesse et groupe là pas t'estimé t'es gagné nécessité pour t'es gagné nouveauté en 2009 qui donc un an après sorti album 5e vitesse là. Donc Da Benz qui parle de voile son qu'un album formation musicale Zenglen mais qui gagne voile son musique Zenglen t'es produit pour marquer ses 20 ans d'existence qui retrouvait son album Richie 10 ans plus tard, deuxième projet personnel Jean-Yves Richard. N'a pas tourné en 2012 côté Richie fin quitté formation musicale là, Pozo quitté un peu avant Nickenson quitté. Et là, Negro pral retourner faire appel à Reginald Kanji, mettez bon côté Kenny Demande, yo pral produit de test pressing qui pas vraiment qu'on a un succès, mais Negro retourner, yo redoubler d'efforts et de courage, yo rentrer dans studio avec un magistral Kenny Demande comme producteur, comme compositeur, comme arrangeur, et ben Negro pral produit de concert avec Jean-Boutus Derissin, de concert avec Denis Seyid qui bay backup sur album ça, l'album Résultat. Avec l'album ça, Zenglen retourne péter plafond avec voix originale quand j'ai sur l'album ça, qui a des musiques tant que Dancing in the Dark, qui a Résultat sous lui, qui a des musiques tant que Love Someone, qui a des musiques tant que Chérie Prends Pitié. Autant de superbes compositions qui ont retrouvé sur l'album ça, qui ont un véritable succès dans le milieu musical haïtien et qui a remettre Zenglen sur les rails. Eh bien, peu de temps après l'album ça, Reginald pral quitter Jazz là. Un peu plus tard, Kenny Demande pral quitter formation musicale là. Donc, nous rendons compte que Zenglen son jazz qui caractérisé par instabilité. Zenglen son jazz, j'aime te dire, d'entrée de jeu, qui fait tout craser. Et là, monsieur pral quitter, Zenglen pral fait appel à un chanteur qui est Darbel Johnson, que nous connaissons sous nos climats, ou mettez avec
frère Jean-Baptiste, qui lui-même tout, tu as retourné dans la formation musicale Zingléan et tu as lancé deux tests pressing. Une musique qui était baptisée Bird of Paradise avec une musique qui était sortie en collaboration avec Voix Frérot, Clément Chanté, Zinglin prend devant. Eh bien, l'album Zinglin pral sorti qui baptisé Résultat Pired, peu avant l'album n'a sorti, peu de temps avant l'album n'a sorti, eh bien, Zinglin déjà séparé de Clément qui était des problèmes administratifs, problèmes de papier, il n'y a pas de cas entrer en Haïti, et Zinglin voulait chercher Okaï, Port-Salut particulièrement, puisque chanteur est originaire de Port-Salut, et chanteur ça a évolué en information musicale G7, qui sont formations qui a évolué dans le sud du pays, là il cherchait Widler Octavius Wade, et Wade qui est rentré aux États-Unis, et il va réaliser l'album Résultat Piret là avec Zinglin en compagnie de Frérot Jean-Baptiste. Un album qui était quand même très intéressant, un album qui était solide de musique pour Sincerely Yours. Une musique que Denis Seyid composait. Un album qui te gagné des musiques tant pour tout bagaille possible. Qui te gagné cover musique With You que Chris Brown chantait et que Wade reprend sous album Zinglin ça. Donc, superbe album. Et puis bon, Zinglin pral prend frappe encore une fois après album Résultat Piret. Là, Zinglin pral fait un bon petit temps campé. En 2015, m'a rappelé nous que l'album Résultat Piret l'a sorti. Et puis Zinglin, t'es obligé d'aller à la recherche d'une nouvelle voix, d'un nouveau chanteur pour mettre campé devant jazz là. L'un de me considérer difficulté qui vient pour un chanteur tant que Frérot Jean-Baptiste. Lui-même, lui présent à jazz à tout côté le passé, puisque Frérot vient de l'autre obligation professionnelle. À partir de ce moment, Brutus traversait Canada comme véritable dénicheur de talent, j'aimerais les monsieur. Monsieur Pral découvrir un acteur qui Eminexon, lui Eminex. Monsieur Pral rentrer à Eminex aux États-Unis et Pral produit dernier album Zinglin, 12e album studio Zinglin en 30 ans d'existence que sorti en 2018 l'album No Dead End. Un superbe projet, un projet qui va remporter Palme d'Or pour année comme meilleur album compas de l'année. Souvenez, un album qui gagne des musiques tant que Grève Bébé sous lui, véritable hit sous album ça, qui te gagne Souhaité le danser, qui fait sortir vidéo clip li dans été 2019 là. Gagne des musiques tant que I Miss My Ex, des musiques tant que Pot Derrière, des musiques tant que Met Kaila sous lui. Un superbe projet, un superbe album qui quand même consacré ou bien qui confirmait le retour de Zinglin sur la scène musicale haïtienne. N'a fini 4e épisode yon ti coup de Jesu et Tchemaela que n'a réalisé sous Zinglin jodia avec quelques petites anecdotes sur cette formation musicale. Qui t'aime rappeler que Zinglin c'est rare formation musicale dans toute l'histoire de la musique compas haïtienne qui passait plus chanteur en tête. Groupe qui peut-être t'a rivalisé on jazz tant que Zinglin, c'est à DP Express qui passait en pile chanteur. Mais Zinglin c'est plus passé 10 chanteurs en 30 ans d'existence. Zinglin commençait avec Gary DJ Perez. Zinglin fait David Charles. Zinglin fait Elliot à lui d'or. Zinglin fait Nestor à zéro. Il fait Sandra Desmond, souvenez. Il fait Gisèle Pierre. Comme des mouns qui sont des véritables chanteurs formation musicale là, mais mentionnez quand même puisque c'est des mouns qui gagnent voyou sur des albums que Zinglin réalise, que ce soit comme choriste, surtout pour mesdames, mais que ce soit des mouns tout qui gagnent des verses que ont chanté normalement sous des projets Zinglin. Ou Sandra, sous prend album à ton à l'aise là, Sandra gagne voile sous lui. Sous prend album ou toujours là, qui gagne voix Gisèle Pierre sous lui, qui gagne voix Nestor Azéo avec Elliot Alidor sous lui. Et puis Zinglin passé Gracia Delva comme chanteur. Zinglin passé Reginald Kangé avec Jean-Edouard Jean-Baptiste Frérot comme chanteur. Il passé Emmanuel Oba. Il passé Kenny Demangle comme chanteur. Il passé Dabenz Chéri comme chanteur. Hollywood Gatan Fon Titan dans Zinglin comme chanteur. Il passé Darbel Johnson Clemay comme chanteur. Livin passé Wade avec Eminex comme chanteur, on nous dit passé, mais c'est des chanteurs qui toujours fait partie de formation musicale Zinglin. Et je dis à d'ailleurs, c'est aux deux à qui partageaient bande devant Zinglin et à quelques moments, on a joué un frérot qui quand même vient by bourrade à formation musicale Zinglin. Parce que j'aime te dire, nous avons une situation professionnelle frérot déjà qui empêchait lui performer en live avec formation musicale Zinglin, alors que il y a un voile qui sous deux musiques qui sorti dans le dernier album Zinglin qui baptisé No Dead End. L'autre anecdote sur formation musicale Zinglin, vous peut-être pas de compte ça, mais le Zinglin a voyagé en 1992 à quitter pays. Le ça, tout staff Zinglin, y compris Jean-Baptiste Derissé, a voyagé en cachette.
sans Patrick Martino pas connait. Et là ça, il était gain visa seulement pour traverser Canada. Donc c'est leur arrivé Canada, le démêlé pour traverser rentrer États-Unis. Donc c'était vraiment une période noire pour la formation musicale Zeglin et c'était un coup bateau pour youn cofondateur formation musicale là, premier maestro formation musicale ça qui relait Patrick Martino. L'autre anecdote tout Zeglin. On rappelait que Zeglin quand même t'a gain un moment dans la vie formation musicale ça. Il était là dedans on est tant pour Arlie Larivière. D'ailleurs Arlie c'est une équipe qui était formation musicale Zeglin et qui t'a tenté mettre un autre Zeglin sous pied qu'il t'a appelé Zeglin plus ou bien Zeglin plus souvelé et qui pas quand même duré longtemps et c'est Zeglin plus ça qui va le transformer en design avec les deux compères Arlie Larivière et Gazman Pierre Couleur. L'autre précision que moi c'est qui est important pour qu'on ait sous formation musicale ça qui est les Zeglin. Et bien, qui t'aime dire que Zeglin, chanteur qui fait plus temps, ou bien période quand Zeglin était plus stable dans le banc de vent, il bien dit, dans le banc de vent, puisque pendant Zeglin était stable dans le banc de vent, en dedans jazz là, Billy t'a brassé. C'est période quand Kenny Demangle, t'es chanteur formation musicale Zeglin. Kenny qui rentrait dans jazz en 2007 et qui quittait en 2015. Donc, Kenny qui passait 8 ans comme lead vocal Zeglin. Donc, c'est période. Un chanteur passé qui pile longue dans cette formation musicale Zeglin. Et deuxième dans qui vient d'elle, c'est Gracia Delva qui intègre formation musicale ça dans fin année 96 pour entrer 97 et qui obligé quitter formation musicale ça, moi dis obligé puisque nous compte contexte Gracia quitter Zeglin déjà en 2003. Et puis parmi chanteurs qui pas fait en pile temps dans Zeglin ou qui fait quelques mois seulement dans formation musicale ça, on peut citer des exemples pour Emmanuel Oba, Hollywood Da Benz Chéri à Clémay. Pour cas deux derniers monsieur, on a parlé de Da Benz Chéri à Clémay. C'est au même tout qui particulièrement côté voyou pas retrouvé sur aucun album que Zeglin gagne dans le répertoire. Alors que il a produit musique dans studio avec jazz là. Par exemple, on est en cours Da Benz Chéri t'a chanté à Pitwini pour la formation musicale Zeglin qui était supposé sur album qui a marqué les 20 ans d'existence de Zeglin. Ça n'a pas sorti album, musique ça a retrouvé sur le deuxième album solo Jean-Hilaire Richard, l'album Richie 10 ans plus tard, sorti en 2009. Pour le cas de Clémay, Clémay chantait deux musiques à Zeglin. Il chantait Zeglin prend devant, il chantait Bird of Paradise. Deux musiques que Jazz là pour intégrer sur l'album ni et que malheureusement pour Clémay, il y a une deux musiques ça, on a parlé de Bird of Paradise que équipe Zeglin a décidé de faire ouais de reprendre avant d'intégrer sur l'album Résultat Pirate là. Qui donc voit Clémay qui pas véritablement retrouvé sur l'album Résultat Pirate là, même si grand bémol, voit sous musique Zeglin prend devant, mais c'est peut-être une musique moins connue que Clémay chanté pour Zeglin puisque musique Bird of Paradise là, mais équipe Zeglin t'a pas le faire ouais de reprendre avant d'intégrer sous album Résultat Pirate là. Qui donc Emmanuel Oba, Da Benz Chéri et Hollywood mettait avec Clémay ces chanteurs qui passaient dans Zeglin mais qui pas vraiment des voyous pour qu'un projet studio jazz. L'autre information me passe au mérite qu'on est sous Zeglin qui t'aime que Zeglin c'est une jazz qui à côté de 12 albums que lui avait produit en 30 ans d'existence là, c'est une jazz tout qui t'a gagné la donnée des artistes, des musiciens qui parallèlement t'a produit en solo et qui te permettent que jazz là garni le plus que possible répertoire en musique que le capable de jouer en live. On a parlé de style de Zeglin Connection, les volumes 1, 2 et 3 de Jean Boutus Derisset. On a parlé tout de deux projets personnels Jean-Hilaire Richard. Le projet Happy 50 Compas, le compas sorti en 2005, et le projet Richie 10 ans plus tard, qui est sorti en 2009. Un projet côté Zeglin, tu as une chance de bénéficier de musique tant que Gamon Libay, des musiques tant que Don't Let Go Souli, comme musique que Richie a gagné sur album personnel, mais que Zeglin a joué en live. Un projet tout qui t'a renforcé playlist que Zeglin a gagné entre période 2008 et 2012. En période côté Zeglin était seulement produit un grand album pendant période ça et c'est Kenny Demangle, Da Benz Chéri des chanteurs de jazz ça pendant période ça et Da Benz on a rappelé qu'il fait un petit temps tout coûte dans jazz ça pas même 2 ans avec la formation musicale Zeglin dans tranche ça. Nous devons mentionner tout projet en collabo que Richie a réalisé avec Gracia Delva album Yore Mele qui était sorti en 2006 et mentionner tout album personnel Nickenson Prudhomme album qui sorti en 2006 qui était baptisé Première Danse bien avant Nicky t'es quitté formation musicale Zeglin. Et puis pour finir net qui t'en rappelle fort toujours mettre respect devant nos Jean Quitus Derisset. Grain nèg qui fait toute
30 ans avec formation musicale Zinglin. Il est vrai que gagne musicien qui ensemble avec Jean-Boutus Dérissin qui gagne plus pas son dizaine d'années dans formation musicale ça. Ou ka si ton monde tant que saxophoniste formation musicale ça, Nicolina Ferentino, ou ka si t'es tambourineur jazz là et DJ Germain, ou ka si t'es percussionniste jazz là. James Nozil qui c'est des monde qui quand même gagne en bon quantité de temps dans formation musicale ça, mais Jean-Boutus Dérissin, il était dans jeunesse initiative là et il est encore dans formation musicale ça est véritable poteau mitan formation musicale Zinglin. Mais qui te rappelle tout que formation musicale ça qu'on regarde là jodi a c'est quand même papa plusieurs autres groupes musicaux qui existaient sous marché musical haïtien. Un groupe tant pour harmonique faut être très pas reconnaissant pour pas reconnaître que formation musicale ça soutient dans Zinglin. Parce que Nickenson Poudhomme qui c'est tête pensante projet ça elle t'a commencé et ben il soutient dans matrice formation musicale Zinglin. Classe comme formation musicale avec Richie El Pozo entre autres qui c'était des musiciens de Zinglin qui décidaient à mettre tête ensemble à faire classe. C'est quand même des formations musicales qui soutient dans matrice Zinglin. Un groupe tant pour Mas Compas que Gracia Delva a chanté là dans Jodia, c'est des groupes qui soutient dans matrice Zinglin puisque Zinglin c'est lui-même qui fait Gracia que nous gagne Jodia. Donc autant de formations musicales qui soutient dans formation musicale ça qui est les Zinglin qui Jodia a fêté 30 années d'existence. Et voilà, c'est toute l'équipe de TAC 509, tout haïtien connecté, qui a souhaité un heureux 30e anniversaire à la formation musicale Zinglin, à l'équipe de Paix Brute, de Jean Brutus Dérissin, qui, année ça a décidé, vraiment, il a fêté 30e anniversaire. Et pour 30e anniversaire là, pour qu'on ait un gros événement qui est réalisé, il est vrai que le groupe Zinglin a annoncé, pour décembre année ça a, un gros fête côté, il a compté, réunis ensemble de ancienne gloire formation musicale ça sur même stage, il n'est que d'attendre pour nous qui ça groupe là a réalisé. Continuez supporter formation musicale Zinglin, continuez supporter TAC 509 pendant vous abonner, ou premier ou suivi tout côté TAC 509 tout haïtien connecté disponible pour capable toujours être connecté avec des informations sur la culture haïtienne, particulièrement sur la musique haïtienne à travers yon ti coup de chez sou Etienne Maïla dans 5 minutes. Mais on rappelle que Jodia, c'était vraiment une édition spéciale autour de la formation musicale Zinglin. Bon, c'est après 30 ans, Zinglin, pour éviter de ça. Merci tout.